Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien mes chers amis viewers. Donc on continue notre aventure, on est à 11h de jeu sur Dead Space 2. Nous sommes à 67,8% terminé. Bon, je pense qu'il n'y a pas les objectifs secondaires. Enfin, il y a les objectifs secondaires qui sont chargés dans ce pourcentage, je pense. Mais on les a pas fait. Parce que je pense qu'on touche à la fin, à moins qu'il y ait encore 30% de jeu à faire. Allons voir ça, 18. Alors, la dernière fois, il s'est passé plein de trucs. J'ai un peu la flemme de récap, donc n'hésitez pas à aller voir le replay sur Twitch qui sera ensuite mis sur YouTube. Alors, on avait déjà ouvert cette porte, ah, peut-être qu'elle est ouverte. Mais voilà, pas besoin de faire des codes, moi. Voilà. Alors. Ne me mettez pas des grosses bébêtes tout de suite, je viens d'arriver. Je suis pas chaud encore. Alors on se calme. Oh, ça craquelle, on les connaît ceux-là. Easy. Ah, je vois plus rien. L'arme. Dans les pattes. Ça, bon, on peut tirer entre les jambes, ça touche quand même une patte. Par contre, ils abusent un peu avec ces créatures. Hein. Non, je finis jamais. Ils savent pas en mettre une de temps en temps. Non, non, c'est... on te sort toute la famille. De suite. Pourquoi ils me vannent? Je suis tout sur la stase maintenant. Ah, parce qu'il faut que j'utilise. Merci, Captain Obvious. Alors. Déjà, on va aller chercher ça. On va aller regarder s'il n'y a pas des missions, des soins, des trucs, des machins, des bidules. Voilà. 460 munitions, je pense qu'on est bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut déplacer là? Je pense qu'il voulait que j'utilise la stase sur les créatures que je vais buter. Non? Par là-bas, c'est pas pareil. Suivons le GPS. On est nul en orientation, alors on va pas faire le malin. On va juste suivre ce qu'ils nous disent. Hé, hey, Carver, je suis prêt à parier que grâce à la télékinésie améliorée, on sera capable de démontrer les nécromorphes directement. Super, merci pour le tuyau. T'as rien fait du tout. De mon loot, même pas de loot. Bande de radave. Oh, la stase, on s'en fout. Je suis un fou du loot. Alors, pour l'ouvrir, celui-là, 3 double bas. Oh putain, on voit pas ce que c'est. 3 double bas, 2 un haut. Putain, alors, ouais, si on voit rien. C'est quoi celui-là? On va essayer de le trouver. Alors 3 double bas, 2 simple en haut. Alors allons-y. 3 double bas l'effet. 2 simple en haut. Voilà. Et l'autre c'est quoi? Ce serait ça? Non, le troisième il est faux. C'est peut-être celui-là. Yeah, motherfucker! On est bon?
Sauvegarde de progression. J'aime quand ça fait ça. Ça donne l'autorisation de mourir. Bain d'acide. C'est excellent. Oh, ce serait bien qu'on puisse mettre un module de, d'acide. Électrocuté. Il me donne ça à la fin. A mon avis, il donne ça pour qu'on puisse refaire le jeu en mode trop dur. Pourquoi il me met là? Ouais. Jeu qui me dit t'es arrivé. Ouais, mais y'a rien. Y'a rien du tout. Ah! Oh, il m'a fait saisir le bout. Finesse. Comment il a pas fait de bruit derrière moi, lui? Oh, quel enfant. Il m'a fait saisir, il était dans le noir. Au dernier moment, je me suis dit... Mais ça bouge! À prendre de chargeur. Oh, mais le nombre de trucs de soin. J'aime pas, pourquoi je peux pas le ramasser? Parce que t'appuies sur R, connard. Je suis con. Message trouvé, très bien. C'est qui? Qui c'est qui? C'est qui? Ça va, mon cher Popo? Comment vas-tu? Plaisir de te voir. C'est que vous êtes arrivé au cœur de la machine. Si je suis ici, c'est que je suis arrivé. Ici, il bah semble oui. Y avoir deux points de configuration. Après, pour un Mogolo, lui. Un que vous avez sans aucun doute déjà activé. Comment va l'ami? Et un second, au nord. S'ils sont tous correctement réglés, eh bien, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas ce qui se passera. C'est le bar. Je n'ai qu'un seul conseil à vous donner. Popo, l'autre barbu va bien. C'est vrai que t'es barbu, toi, on s'était vu une fois. Oh, deux recharges de dégâts. C'est pour ça. Et ouais, ouais. Ouais. Ouais, sinon moi ça va, un peu de fatigue. Demain je commence tôt. Mais de la merde, j'avais envie de jouer. La merde, j'avais envie de jouer. Pourquoi j'ai jamais rien à fabriquer? Un outil inférieur. Ah, si je veux fabriquer, fabriquer une nouvelle arme. Non, je veux pas fabriquer une nouvelle arme. Fabriquer un outil inférieur, fabrication d'objets. Rien, rien du tout. Rien du tout. Alors. On avait 2 dégâts de charge. C'est comme. Standard d'arme à 2 mains. Déchiqueteur, géomètre, moteur Tesla. Ouais. 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 Ouais, non, m'en fous. Putain, y'a rien. Module aucun. Mais je peux rien faire pour cette arme-là, pour cette arme-là, c'est relou. Ah. Bah non, ça va rien faire. Je peux rien faire. Ça fait quand même 20 ans que je porte ce que j'appelais un bouc de duvet. Ensuite un bouc, puis une barbe de puceau. Et enfin une barbe. Alors moi j'ai eu longtemps le duvet à la mexicaine. Tu sais, juste la petite moustache de duvet là. J'avais beau me ramser, ça revenait. Au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir du vrai poil. Mais genre un poil à trous, tu sais. C'est comme. C'est comme quand t'es à l'école, quand t'as des textes à trous, qu'il faut les compléter. Sauf que moi, mon semblant de barbe, il a jamais su compléter ses trous. Il était nul à l'école, ma barbe. Cette putain de moustache de la honte. Ouais, ouais, tu vois le genre. Et après, j'ai encore des trous, mais je me suis dit de la merde, je laisse pousser. Donc, je bosse. Alors, moi, ma barbe, il faut vous dire, elle a presque 3 ans là. Elle a 3 ans, ma barbe elle pousse aussi vite que ma bite, c'est-à-dire pas du tout. Elle pousse pas. Non mais c'est hallucinant comment elle pousse pas ma barbe. Mais à force, bah, le fait d'en avoir plein de poils, des longs poils, ça bouche les trous. À pousser sur... Bah moi ma barbe elle est très basse, tu vois, mes joues elles, ils sont assez cool. La moustache. Mais la moustache, tu sais, j'ai rien entre ma barbe et la moustache, tu vois. Parce que ma moustache est grande, que comme ça je fais genre il y a une liaison. J'utilise la grandeur des poils pour boucher les trous. En fait, moi, ma barbe, ça se voit pas, hein, parce que je la fais. Mais en fait, là, j'ai Moïse qui est passé sur mon menton. Et il a séparé ma barbe en deux. Et je passe mon temps à faire ça pour cacher cette séparation. Tu vas me faire tellement claquer une barre que je me suis fait mal aux oreilles.
aux oreilles, comment t'as fait? Et que ça pousse comme t'as mis. Ah ouais, mais ma barbe, elle pousse pas. Elle pousse pas. Elle est relou. Elle est relou. Il y en a. Franchement, j'en vois. Hein. Il y a deux types de gens qui m'énervent dans la vie. Il y a ceux qui sont maigres comme des clous de 110 et qui bouffent de la merde non-stop. Et il y a ceux qui ont une barbe comme ça et ils disent je me suis pas rasé depuis une semaine. Ça, c'est les deux personnes que je déteste le plus au monde. Ah, t'as ri tellement fort, tu t'es auto-pété les tympans. C'est fort, ça. Non, mon loot. Mon loot. Je viens d'auto-niquer mon loot. Et j'ai moins de balles. Ah ouais, merde. Il y en a pas qu'un, c'est pas possible. Bah voilà. Ah oh, il est pas mort. Les 7. Il y en a encore? Bah oui. Voilà. Et donc ouais, toute une histoire cette barbe. Mais moi, j'ai toujours trouvé ça super viril une barbe. Un homme avec une barbe, ça m'a toujours impressionné. Et donc, je me suis dit le jour où j'ai une barbe, je la laisse. Ce qui me fait chier, c'est que la barbe, elle est un peu à la mode chez tout le monde. Donc tout le monde me dit, ah ouais, comme tout le monde laisse pousser la barbe, donc tu laisses pousser ta barbe. Moi je réponds, non, je laisse pousser ma barbe parce que j'ai une barbe maintenant, c'est tout. Et puis t'as ces putains de bobos qui ont la barbe pour dire d'avoir le jean slim, les bordels qui doivent aller avec. Les gars, bordel, j'ai galéré plus de 15 ans. Ouais, c'est ça. Les bobos qui sont un peu en mode... Comment ça s'appelle? Ah merde, j'ai perdu le nom de... Un peu hipster. Voilà. C'est quoi le code? Bah ouais, mais si on me donne pas le code là, moi, comment veux-tu que je devine? Je peux pas deviner le code de la porte si on me le donne pas. C'est ici. What the fuck? On va réessayer l'autre qu'on avait vu. Alors l'autre, il était triple bas. Non mais il faut le code. Où est le code? Mais barre-toi de ce truc! Mais non! Vas-y, fais une lecture erreur. On se barre. J'arrive plus à sortir de ce truc. Ah voilà. Attends, on va l'écouter. Il faut l'écouter, je crois. Vas-y, parle la porte. Vas-y, la porte. On va essayer. C'est ça? Pas du tout. Voilà, c'est celui-là. Oh, dites-moi que c'est ça. Ah, mais qu'est-ce que je suis bon. Utilisez tous vos sens, bordel. Mais évitez de lécher l'écran. Ça marche pas. Ils ont pas encore développé le goût sur l'ordinateur. Pareil, voilà, les gens croient que c'est à la mode. Ouais, ça me saoule. Les gars, c'est juste qu'il y a des gens comme nous qui, dans la fin des années 90-2000, voulaient une barbe. Mais qui ressemblaient à un cul d'un mouton. C'était pas. Ouais, c'est ça. Moi, on aurait dit. Franchement, on pouvait me traiter de tête de bite parce que j'avais des poils de couilles sur le menton. Hein. Ça, c'était sûr. Genre, tu laissais pousser un poil qui grandissait. Il poussait, hein. Mais tout seul. Le pauvre. Ah maintenant je suis plutôt content d'avoir une barbe. J'aime bien. Et puis ça fait un peu... Tu sais, je travaille dans le milieu bancaire, tout ça. Normalement, t'es un milieu où il faut être bien sapé, bien, wesh, tu vois, bien rasé, propre sur soi. Alors moi maintenant j'ai une barbe, des cheveux longs et je mets des t-shirts de geek. On bat les couilles. J'avais des trous sur les joues, ça ressemble à rien. Ah, c'est horrible ça. Moi elle est trop... Enfin, ça commence à monter sur les joues, tu sais, comme une plante grimpante. Quoi? C'était quoi ce bruit? Non!
J'aime pas ces bébêtes. Veuillez arrêter. Je recharge, tu attends. Bien sûr. Vas-y, vite, recharge, Isaac. Oh, il y en a qui arrivent à droite et tout. Ah! Je suis bloqué contre un mur. Aïe 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 aïe. On est dans la merde. Attends, attends, je suis occupé de recharger. Non mais les ennemis. Vous êtes pas réglo. Moi j'attends vous voir avant de tirer. Alors attendez que j'ai une munition avant de... Mais... Il m'envoie toute la famille à chaque fois. C'est bon, la musique s'est arrêtée. Oh putain. Les développeurs ils se sont dit... Alors venez là, on script, dès qu'il atteint ce point là, on envoie un nombre aléatoire de mobs. D'accord, ok. Et là il tire ce monde aléatoire et ça tombe toujours sur un peu plus de 100. Du coup côté bancaire, il te faut... Cubain à fumer avec la grosse... Un cubain... Ah, un cigare. Ouais non, c'est bon. Après je suis dans l'informatique, je suis pas banquier. Ah non, avec mon look banquier ça passe pas hein. Quelque chose là, on l'a vu. Bon pareil, une seule solution que j'ai appliquée il y a peu plus de 10 ans. Raser, 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 raser. Ça force le poil à sortir. Et du coup j'ai attrapé tout sur le côté. En dessous des lèvres, je suis comme toi. C'est un cul de bébé. Quoi? Mais tu viens d'où? D'où? Depuis quand tu sais grimper des rochers toi? Il y a un bug, c'est pas possible, on m'a fait peur. Je t'occupais de lire mon chat, t'as pas le droit de te parquer comme ça. Ouais ouais, moi c'est... Moi aussi là j'ai pas grand chose, j'ai un petit filet de poils de merde. Et mes joues ça veut pas. Mais j'ai fait que raser. J'ai eu une longue période où je faisais raser, 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 raser. Mais au bout d'un moment je n'avais marre qu'on m'appelait madame. Parce que j'avais des cheveux longs et pas un poil sur le caillou. Et j'en avais marre d'avoir une gueule d'enfant de 15 ans quand j'en avais 20. Donc je dis de la merde, même si ça fait nappe, je laisse pousser. Le poil il se démerde. Pour ce qu'il faut. Alors si j'ai fait ça, ce que ça veut dire? Travaille pour les banques, mais en informatique. Putain, du code du COBOL ou du HAD. Oh putain, merde. Je suis percé à jour. Ouais, je développe en pack base. C'est un truc qui génère du COBOL. Ouais. Bah ouais. C'est pas top, mais ça paye bien. Parce que les seuls qui font ça, c'est des gens à la limite de la retraite qui vont te demander 64 salaires. Alors... C'est ça. C'était quoi le dernier à avoir écouté? C'est ça. Yeah, motherfucker. Yeah, motherfucker. Allez, open the door. Eh ouais, il faut tout pour faire un monde, mon ami. C'est con, mais les systèmes bancaires restent en langage d'origine tellement vieux que les machines aussi. Donc, tant qu'à pas changer. COBOL. Bah, c'est surtout très fiable. Très fiable, très stable, très léger. Très vieux. Mais c'est très beaucoup plein de choses, tu vois. Franchement, c'est solide comme le rock. C'est sécurisé, c'est fiable. C'est increvable. Impiratable. Ah, mes munitions elles sont là. Comment j'ai pu tirer en dessous? Ah non, je viens du haut.
Tech. Mais là, je fais du... Je fais quand même des... La transcription, c'est-à-dire des programmes en COBOL. Je les appelle avec des couches Java. Des couches Java via une IHM Angular, etc. Donc, t'as une base de vieille tech, mais t'as quand même de la nouveauté. Ils évoluent quand même. Trop de bruit autour de moi. Je tue un truc, il y a tout qui pète autour. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ils viennent par derrière ces enfoirés de trucs. Tiens, pleine gueule. Je t'ai vu. Oh, ce qu'il a pris. Il est encore ici? Mais arrête la musique, c'est la musique qui fait stresser dans le jeu. Non, il m'a eu. Chewbacca du pauvre. Il y en a encore? Non mais c'est bon là au bout d'un moment. Et les raptors là on se calme. Bah c'est un vrai langage qui est stable comme tu dis. Il est là depuis la création quasi. C'est pas un langage néo mixé entre 15 autres qui laisse passer des failles. C'est ça, t'as pas de failles, t'as pas de mise à jour. Après t'as pas de mise à jour, t'as pas d'évolution. Tu vois c'est... Démerde, si tu veux faire un truc que le truc il sait pas faire, yalla, tu te démerdes. Chewbacca du pauvre. Ouais. C'est une mauvaise imitation de Chewbacca. Les développeurs ont dit, qui sait faire Chewbacca? Ils en avaient fait, bah moi un petit peu. Vas-y, fais-le. Ouais, c'est bon, c'est bien. Merci. Comme ça, au moins, on nous dira pas qu'on a copié. Mais là, je le vois, hein, parce qu'on a, on a des nouvelles techs, ou... etc. Et là, on a toujours des pépins, c'est dans les nouvelles techs. Hein. Le COBOL, je sais, ça évolue pas, ça bouge pas, ça. Tu t'appelles le truc toujours de la même façon, t'auras jamais de mauvaise surprise. Quoi. C'est versionné, c'est machin, c'est truc. Oh, je t'ai vu. Wait. Après, c'est pas funky à développer. Voilà. C'est... Les matières organiques de la zone rendent toute progression difficile. Wassem, le dimanche. Les hommes sont toujours aux prises avec cette toile collante. Les appareils qui se trouvent dessus doivent être essentiels à la configuration de cette machine. Ils sont gentils, les gars, de laisser des messages pour contextualiser quand même. Il pourrait s'agir d'un amplificateur de signal ou d'énergie. Wassem, mon boulot, je laisse des petits messages comme ça dans les couloirs. Me dis si un jour il y a une catastrophe ou si c'est la fin du monde, au moins s'il y a quelqu'un qui vient. Et il entendra ce que j'ai à dire. Je parle trop aux connaissances de cause. Aïe aïe aïe. Consommer l'alcool avec modération. Ça fait longtemps que j'ai pas pris une purge moi tiens. En parlant de ça. Ça me ferait du bien un reset de cerveau. Avant, oui. Pourquoi plus maintenant? Parce qu'on est vieux maintenant. Parce que maintenant, avant on était... Avant quand on était jeune on prenait une cuite. Le lendemain on était tout frais et tout. Maintenant tu prends une cuite, il te faut une semaine pour t'en mettre. Hein. Ah c'est ça. Ah putain moi je remarque, hein, je remarque que je deviens une larve. Je deviens putain. C'est la cause que je deviens vieux quoi. J'ai que 30 balais merde. Je coûte cher de ma life, j'espère. Ouais. Alors pourquoi lui il s'allume et pas lui? On va aller le voir hein. J'ai peur de tomber, ça me fait peur ici. Alors j'ai un truc bizarre, j'ai le vertige dans les jeux. Est-ce que ça vous arrive ça? En vrai j'ai pas trop le vertige. À part quand je suis pas très sécurisé, j'ai peur. Mais c'est pas du vertige, c'est de la peur.
Mais dans les jeux, j'ai le vertige. Là, j'ai peur de tomber. C'est con, hein. Iron y débarque. Yeah. Oh mon dieu, j'ai reçu un mail de Albi Online. Fonctionne encore ce jeu? Coucou. Et coucou. Bah maintenant je serai à je le sens à 35 piges, mais en fait il y a des étapes entre 25, 30, 30. Ouais ouais ouais. Et après généralement il y a la crise de quarantaine où tu repars dans ton adolescence. Des races de minables à tomber, oublie la gerbe, elle... Ah moi je prends toujours des aussi grosses races hein. Le truc c'est que... Putain pour m'en remettre. Mon gars. Comment ça va mon parmi ça va et toi? Ah les supports. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Mais bien sûr. Ils aiment pas que je touche à leurs affaires. Mais quoi? Mais y'a combien de monde? Mais c'est quoi tout ce peuple? Surprise, motherfucker. Oh lui il bouge, il me fait chier. Mais bien sûr. Mais deux, vas-y, deux pour le prix d'un. Et je veux pas savoir le prix, laisse-moi tranquille. Coucou. Ah il est tombé. Mais ils sont combien? Coucou. C'était quoi ce cri? 30 ans maintenant les soirées tu sais gérer. Et quand les gens s'en vont, c'est le moment où t'as envie de boîte de nuit dans ton salon. Et même tout seul tu fais la ch'touille. Oh putain. Les soirées où t'as encore envie de boire. Tu sais que tu vas être mal hein. C'est tellement bien à penser à rien. Oh strike. C'est bon ça. Monster kill. Kill, kill, kill. Attends, on va prendre notre arme pour ça. Arrête de bouger, Saras. Tu m'as pris pour un joueur de FPS ou quoi? Waouh! Ça y est, Iron y est venu animer le live. Si, si, des fois il y a un petit. En fait, si tu les enchaînes trop, aussi, je sais pas si ça marche. Enfin, il me semble que si. Mais ça peut faire des pépins. Non, mais à chaque fois que j'en tue, à chaque fois que je tue une série, on a 1000 autres qui arrivent. Oh merde. Quoi, j'ai plus de munitions? Ah oh bah attends, faut que j'aille en loot. Ah mais hey, tous les loot ils tombent. Et c'est bon ça. Le nomatopée. Ouais c'est ça. En fait Iron c'est un commentateur streamer par animation. Moi tu dors plus t'es fort. Oh mon dieu j'ai marqué ça avant. Je crois que j'ai encore marqué quelque part sur mon... sur ma définition un truc comme ça. Alors, oh, on a eu 72 balles. Plutôt intéressant. Je suis l'animateur de live. T'es dans la grotte de Smog ou quoi? Ouais, je sais pas, ça craint ici. Attends, on va se mettre en ambiance. Voilà, on est dans une caverne. Écho, ça résonne, hein? Ouais. Attends, on va essayer de faire un écho. Écho, écho, écho. Ça marche bien, ça marche bien, ça marche bien. Ah, je sais pas faire résonner un pétou, hein. Ouais, c'est dans ma description. Ah, c'était mon... C'était ma phrase de geek quand je jouais à World of Warcraft.
Vas-y tombe, il y a de l'or en bas, Non. Non mais faut que je bouge ça, mais j'ai peur de les bouger maintenant, t'as vu le nombre de mobs que j'ai pris sur la pouire. Mais faut que je vise quoi? Ah! Ah ça aussi ça tourne. Ah c'est le nombre de doigts qu'il y a au truc. Voilà. Et la compagnie créole elle arrive normalement, non? C'est bon? Non tout va bien. Il est pas en écho le P. Oh je sais pas tout faire. Là si tu se faisais pas chier je pourrais mettre la BO du Hobbit. C'est dans un... Ouais. C'est vrai que maintenant c'est un peu riscatouillé de faire ça. C'est quoi ça? Il y a ça ici. Tourne-toi, tourne-toi. Oh merde. C'était quoi de l'autre côté ici? Ah non il a condamné le truc. Ah non j'étais pas dessus. Ah le bâton. Tourne-toi toi. Tac, bâton, bâton. Allez, tourne. C'est la soupe au chou. Ah ouais, le P4 il est violent. Voilà. Deux connexions établies. Voilà, parce que les extraterrestres, à l'époque, quand ils rentraient chez eux, ils devaient faire tout ça. Hein. Ah ouais, c'était des ouf. Hein. Franchement, tu dois aller au cœur du truc. Tu te rends pas compte de tout ce qu'il y a à faire. Hein. Je crois qu'on est bon là. Allez, on sort la grosse arme parce qu'il y aura. Classement. Ok, le courant est rétabli. Un autre terminal d'activation vient de s'ouvrir. On est sur le point de relancer la machine, Carver. Voilà, donc on est devant un bouton pour démarrer la machine. Merci de faire tout le boulot le temps qu'on appuie sur le bouton, hein? Ok. On en foire, va. Oh, il y a un codex. Quoi? Oh, ça clignote autant. Je peux prendre ça, je peux le faire. Oh. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, ça arrache. Je fais ce qui aurait dû être fait il y a longtemps. Non, arrêtez ça. Qu'est-ce qu'il fait, Isaac? Oh, bordel. Ouais, je vous retourne le coup. Le cœur de la machine. Tanana. On a bougé des poteaux. And after? Il dit quoi de reprendre l'ascenseur? J'aimerais des munitions. C'est vrai que ça manque de musique, j'ai envie d'écouter de la musique là. Ah oh, mais je crois que je suis en manque de concert. Hein. Ah mon popo, avec ce confinement de merde. Pas en manque de concert. Je crois que mon prochain ça sera en novembre à Cambrai, au Bêtise Fest sûrement. Sûrement aller faire un tour. Il y a Black Bomb, un de mes groupes préférés. Ou le copirage, je viens d'entendre un son dans le jeu qui vient du jeu Star Trek Elite Force. Trop fort à chaque fois que j'entends un son de ce jeu. Il faut que j'y rejoue tellement il était cool à l'époque. Je connais pas du tout comme jeu. Je crois. Je rentre dans 5 minutes, je vais faire un échange pour Live call plus improbable. Ouais, le copyright, il y a un sens bout et il y a un sens pas bout. Moi je trouve un truc qu'il devrait faire. Un truc qu'il devrait faire, c'est genre sur Twitch, tu dis je vais utiliser des musiques ou non. Et en fait, Twitch, sur ton stream, ce qu'il devrait faire, c'est reverser un pourcentage de ce que fait revenir ton stream avec les pubs et tout aux auteurs. À la SACEM, quoi. Ou tu dis j'utilise pas de musique, ils te prennent pas un pourcentage, mais t'es banni dès que t'en utilises une. Un truc comme ça. Vous avez fait un sac de nœuds géants avec cette ville, et après? Si Serrano dit vrai, je peux retourner au premier point d'activation pour faire le réglage final. Ça fera quoi? Hey, j'ai trop de balles sur les murs là. Pas monolithologue, ouais. Je fais découvrir Gojira à des amis, tellement blasés du confinement que je me rappelle avoir chialé de bonheur, tellement ils ont envahi un concert à la... Oh, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, là j'ai trop envie de concert en ce moment. Ça me manque, hein. En plus, je devais aller au Hellfest où j'allais prendre bien ma dose de concert. Du coup, j'ai pris ma dose de blasitude.
Voilà. Ah, il faut pas que je rouvre les portes de l'autre côté. Non, non, dis-moi qu'elles sont ouvertes. Elles brillent mieux. Ouais. Porte à la Stargate ici. Bon, les créatures, vous m'emmerdez pas, hein. Vous êtes déjà venu tout à l'heure. Je vous ai juste défoncé la gueule. Alors on me laisse tranquille, hein. Je peux courir sans peur. On est d'accord. Star Trek il est fort. Piou. Il a peut-être mis à la vie, mais en tout cas, c'est un putain de jeu. Un Quake Wars. Le style que je pensais à l'époque de Quake 3 Arena. Ah, j'aime bien les Quakes. Star Trek Elite Force, d'accord. Après, j'ai peut-être été ignorant sur ce genre de jeu parce que tout ce qui est Star Trek, ça m'attire pas beaucoup. Ça m'a jamais attiré. Ça se peut, j'aimerais bien. J'ai. En fait, c'est un truc que j'arrive pas à essayer de regarder. Enfin, regarder, je parle de la série, de ce qui a pu être fait à l'époque. Ou à m'y intéresser. J'arrive pas à m'y intéresser, pourtant j'aime tout ce qui est espace, science-fiction et tout, mais. Je sais pas. Et du coup, bah, les jeux qui en découlent ou autre. L'avenir vous appartient. J'ai un peu de mal à m'y mettre. Vous le savez, ou à m'y intéresser. Vous pourrez j'aimais pas non plus. Je suis tombé dessus comme. Tout ce que vous avez c'était un pur quoi. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être. De tous vos regrets. Je n'ai aucun regret, Danik. D'une façon ou d'une autre, ce sera bientôt fini. Isaac. Mais. Comment il a fini sa conversation là ? Isaac ! Sauvegarde de progression. Ça veut dire que je vais me faire péter le cul derrière cette porte. D'ailleurs, si un jour t'as envie de faire un Quake 3 Arena en multi. Je suis le premier à être OP. Je l'ai pas. Je sais pas si ça peut se trouver facilement piratable et faire un petit serveur. Après, ça doit pas coûter des milliards. Ouah. Là, je m'en doutais qu'il y en avait deux. Ah! Faut un boucan de ouf. Do it. Just do it. Je le fais, mon ami, je le fais. Et le bordel qu'il fout. Oh, le boucan. C'est bon, on y arrive. C'est mort. Là, il y en a encore. Il y en a plus. T'as tous ces bruits horribles. Ah. Ah, ces trucs s'ils me chopent. Se droguer c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. Si vous vous droguez c'est mal. Parce que la drogue c'est mauvais, voyez. Il laisse pas la place à habiter ses fumiers. Non, mais en fait, là, il voulait que j'utilise la plateforme avec du. Faire de la télékinésie, tout ça, mais j'aime pas. J'aime pas ce gameplay là. J'aime pas, voyez. Bute-le, c'est fait.
Et il me donne un coup de stress, mais pas de problème les copains. Je leur fais avaler leur mère. Même s'ils aiment pas, ils finissent leur assiette. Allez Isaac, on y va. Oh Isaac. Écoute plus rien je pense. Ouais mais il y a Quake Life qui est pas mal. Le Quake Champion il est vraiment différent. Mais il y a Quake Live qui est gratuit. Et qui est vraiment sympa. J'y ai joué un petit peu à celui-là. C'est vraiment cool. YOLO! Bof! YOLO! Ça va, on a l'habitude. On les prend tout le temps ces trucs. Bah il est bof, mais je trouve qu'il... C'est le plus récent de ceux qui gardent l'esprit Quake. Le Quake Champion, il est bof. Quake Live, j'aime bien. Je sais pas pourquoi il s'est barré le mob, mais ça m'arrange. Pourquoi il se barre ? Quoi ? Quand il y en a plus ? Quoi ? Mais c'est quoi qui m'a fait du dégât derrière moi ? Ça bug ici. Sa gueule. Encore un truc qui fait du bruit. J'ai testé le Quake War, je crois que ça a plus rien à voir. J'avais l'impression d'être dans un Battlefield. Quake War ? Le dernier là c'est Quake Champion, non ? Ouais, ils sont hyper bug les trucs. C'est bon. Fini les bébêtes. Je vais baisser un peu le son dans mes oreilles, ça gueule. Ouais, finalement, j'ai pas été loin dans Dead Space. Mais je crois que pour mes acouphènes, j'ai bien fait. Ah, voilà le bord de... ah ouais, mais ça gueule, il est bruyant celui-là. Il y a un viewer, bah, c'est Eryx, qui me disait souvent... Ouais, oh, il est bruyant comme jeu. Mais c'est vrai, dès que... Tu vois, là, c'est calme. Ça va. Et dès que les mobs, ils arrivent, ils gueulent dans tous les sens. Ils mettent une musique pour te faire stresser et tout. C'est pas bien géré en fait. C'est bien pour l'ambiance, mais c'est pas bien géré. C'est un carnage de son. Ouais, les... ouais, carrément. T'as l'impression d'écouter trois concerts en même temps. Trop de bruit pour rien. Ouais. J'ai pas le souvenir dans les autres Dead Space que c'était autant le bordel phonétiquement parlant. Bon, je vais faire quoi ? Je vais faire ce dessin là maintenant. Le bazar est mon prix pour un artiste ou... On dirait des vieilles bites qu'on dresse. Oh chérie, ça me fait du bien. C'est bon. Heureux. Yeah. La musique c'est dans le jeu là? Ou c'est toi? De musique. Y a pas de musique. C'est le jeu, donc c'est que le jeu. La musique quand t'as le... Alors c'est le genre de jeu qui, dès qu'il y a des mobs, il y a une musique. Oh putain, le co MDR. toi t'as une musique qui... T'as une musique qui s'est lancée sur ton PC. Oh la musique, attention au copyright hein. Ça m'est déjà arrivé une fois, je regardais une vidéo YouTube. Et je dis tiens, c'est bizarre qu'il mette des musiques comme ça et tout dans sa vidéo, c'est pas son genre et tout. Et en fait c'est moi qui avais une musique derrière, j'ai eu l'air d'un con. Il mettait une musique en fond, putain ça donnait tellement bien mec, c'est vrai. Ah on peut plus mettre de musique en fond. C'est terminus. Et je peux pas avoir un vaisseau moi aussi. Et tu vois pas que c'est mes potes ça.
Faites ce qui vous semble juste. Ah non, c'est les méchants. Vous trompez. Vous devez me laisser couper la machine. Ah non, mais en plus, je pense que Dead Space, tu mets une bonne musique. Avec bien d'une bonne musique deathcore ou quoi. Ça doit bien passer. Eh, hey, Usain Bolt, tu te calmes. Le petit frère qui arrive. Non mais. Alors. On dirait qu'il lag. On dirait les joueurs en ligne qu'ils ont une connexion de merde. Justement tellement calme. Monster kill. Je me sers avec les chants de meufs. Avec les chants de meufs. Quoi? Ces bruits d'écrasement de. Monster kill. Moi je marque maintenant musique no copyright sur YouTube pour de la musique de fou. Ouais. Ellie, elle a envie. Ellie, elle a envie. Ellie, elle a envie. C'est moi qui ai le codex, Danik. Si vous le voulez, venez me chercher. Inutile. Dead Kendin, The Host of Seraphim. Je pourrais le mettre dans mes oreilles et pas sur le stream. Mais bon, on va vous faire profiter, ce serait nul. Mais je vais. Attends, je vais prendre note. En ce moment, je suis en recherche de nouveautés musicales. Au boulot, j'écoute des radios métal en général et dès qu'il y a un titre qui me plaît bien, je me le note et quand ça me plaît vraiment. Merde. On lance missile, pas de problème. Quand ça me plaît vraiment bien, ça m'arrive d'acheter leur album. Attends, oh, je l'ai déchiré. S'il te plaît, au lance-missile et. C'est dans Xen. Ouais. À tester. Moi j'ai bien envie quand je serai dans ma nouvelle maison. J'ai un projet YouTube. Je sais pas si je vais le faire, je sais pas si je vais réussir à le faire. Mais j'adore faire des parodies. J'adore ça. Et je me suis donné l'idée de faire des parodies de. Allez, on y va. Oh, je l'ai cloué au mur. Lui aussi. Oh le kiff. Vous héberge maintenant. Merci Iron, je sais pas s'il y a eu l'alerte dans le bruit qu'il fait. Un passage où quelqu'un va crever. Lol. Juste qu'il est mort. Moi j'adore, c'est dans les scènes de. Les grosses scènes d'action ou de bagarre. Ils foutent une putain de musique avec un riff de ouf, tu sais. C'est. Dans les bastons, qu'est-ce que j'adore mettre ça. Bah, j'achète pas l'album car j'ai pas de radio pour les. Quoi? Ah bah après, mais j'écoute pas la radio, j'écoute des radios sur le web. Pour voir le titre et tout. Une musique douce, d'instruments à cordes, lent, et les chants cérémoniques clament. Ouais, bah après, généralement la musique suit l'action et suit ce qui se passe. T'as un mariage, tu vas pas mettre une grosse musique black metalcore, machin truc. Statue. Non mais ces bestioles ils font trois symboles. Comment en finir? Bah justement mon parent. Ouais, tu t'as des exemples de qui me contredisent.
Après t'as du métal qui est cool hein, pour les moments. Pour les moments les moments plus cool. Ah moi je t'avoue je vois le métal comme une musique d'énervé. Enfin pour moi c'est une. Pour moi. C'est ça le raining sérieux. J'ai rien demandé. Pour moi c'est une musique d'énervé. Et je vais pas écouter. Alors moi quand j'ai envie de m'éclater. Défouler, c'est du corps. Je vais à des concerts de corps. Et après, chez moi, j'écoute du heavy. J'écoute pas de metalcore chez moi. Moi, le corps, c'est pour m'énerver. Enfin, c'est pour. À fond. C'est ça qui passait sur mon PC pendant que tu défonçais les mobs. Pendant 3 blombes, tellement elles étaient chiants à crever. Ça t'a fait passer le temps. Bah, metal, c'est violent pour moi. Oui, mais metal, c'est large. Les gens qui connaissent pas le metal. Il voit toujours quelqu'un qui gueule dans son micro et des gens énervés sur des instruments. Il y a du métal comme ça. Mais c'est large, il y a plein de domaines de métal. Bon, je comprends pas ce que je dois faire là, les gars. J'ai pas d'accès. Eh, je sais ce que je dois faire, les gars. C'est une grenade là qui court. Lui, il est un peu con. À la Wakba! Casse-toi avec ton pompon. Oh lui ce qu'il a pris. Ah je me doutais qu'il y avait un pompon de l'autre côté. Envole-toi, I know you want to be loved. Da-do-di-di-da-do-da. I know you want I know for you, fuck you. Aou. Envole-toi. Pardon. C'était l'instant Worlds Apart. Moi j'écoute Hollis. Plus de l'ancien rock. Je connais pas. C'est marrant les similitudes qu'on a avec le métal. C'est vrai, t'es là-dedans aussi. Enfin, t'as le même goût que moi par rapport à ce que je dis. Je suis pas difficile en soi. Je suis pas difficile en soi. Après, j'aime bien aller à des concerts que vraiment je surkiffe. Mais aller à des petits concerts de gens que je connais pas, ça peut être sympa. L'autre coup, j'étais dans un bar. Enfin, l'autre coup. Ça date, hein. Bah, t'étais là, Popo, quand on a été voir Dada Bovic à un bar. C'est au Bubble, c'était là. C'est là qu'on s'est vu, non? Typiquement, Dada Bovic, j'adore les voir en concert. J'écoute pas spécialement leur musique, mais en concert, j'adore. AC/DC, Queen, Metallica, les disciplines. Ouais, ça s'écoute bien. Ça s'écoute bien. Il est où? Il est où? Il restait un gars. Ah, il est là-bas. Oui, Dada Bovic, mes amis d'il y a 15 ans. C'est vrai. Moi, je les ai découverts. J'ai oublié de prendre le truc avec. Où est-ce que je les ai découverts, Dada Bovic? Je crois que je les ai découverts avant un concert de Black Bombay. Et après, je les ai revus au Bêtise Fest à Cambrai. Et après je les ai revus dans ce bar là. Et j'aime vraiment bien aller à leur concert. Mais tu vois, moi je fais une différence entre eux. Et je les catégorise comme ça, c'est. Mais non, pas là. J'appelle ça des groupes concerts. Ou des groupes de voitures. C'est quoi dire. Mais il y a des groupes que j'aime voir qu'en concert. Et il y a des groupes que j'aime écouter dans ma voiture. Voilà, j'ai catégorisé un peu comme ça. Vous voulez un gros mot, c'est toi qui vois moi Iron. Bah c'est simple, avec mon asso musical, on les a invités il y a au moins 15 ans dans notre petit festos de salle des fêtes. Et ils t'ont foutu une ambiance. Ouais, ils sont.
Ils sont cool en fait. C'est vraiment, ils sont entre guillemets abordables. Ils sont cool, ils sont fun. Leur musique est plutôt pas dégueu. Oh, c'est cool. Allez hop, un gros mot. Ouais, on positionne ça là-bas. Attends, on va le jeter là-bas. Et c'est le but. T'as vu les mecs? Tellement barré pour nous. Et tu vois, j'ai, quand je les ai vus en live, après j'ai écouté chez moi, c'est sympa. Mais je trouve que leur live mérite beaucoup mieux. Bah, je sais pas. C'est pas une question de mieux ou pas mieux. Leurs musiques sont bien. Mais quand t'as pas l'ambiance, quand t'es pas à fond dedans, c'est pas pareil de l'écouter chez toi. Et puis c'est le genre de groupe où j'ai envie de me défouler. Et quand je suis chez moi que j'écoute de la musique, j'ai pas envie de me défouler. Moi quand j'écoute de la musique posée chez moi, j'ai plus envie de me poser justement. Et ça c'est des groupes qui m'énervent. Qui m'énervent mais dans le sens énervé. Pas qui m'énervent parce qu'ils m'ont fait quelque chose. Tu vois ce que je veux dire. Faut les voir en concert ce mec là. Ouais, totalement. C'est pas la même ambiance. Ouais, c'est ça, c'est ça. Une présence, faire voir leur... Ouais, ouais, ouais. Mais ils ont un petit jeu de scène vraiment sympa. Et c'est pas pareil entre voir un... C'est comme... typiquement, j'ai été voir 3 fois Motorhead en concert. Donc c'est l'un des groupes que j'ai été le voir, un des gros groupes. Enfin, le groupe que j'ai été le plus de voir, c'est Black Bombay, parce que c'est mon concert préféré. Et j'étais voir Motorhead. Motorhead, j'étais très surpris, parce que au départ, Motorhead, j'aimais pas trop. Il y a un pote, enfin, j'aimais pas trop. Je découvrais le métal, je tâtais encore mes goûts, etc. J'ai un pote qui me dit je peux avoir une place pour leur concert. Je dis why not, moi ça m'intéresse. On a été, je me suis éclaté. C'était génial. C'était génial. Donc je suis rentré chez moi, je dis ouais, j'écoute du Motorhead, c'est trop bien, je me suis éclaté à leur concert. Et j'écoute du Motorhead et c'est sympa, c'est marrant, mais c'est assez platonique Motorhead. Enfin, il y a des musiques qui sortent du lot, mais c'est assez... Ouais, à écouter, non, j'aimais pas trop. Et pourtant, j'ai réussi à les voir 2 fois en concert. Tu vois ce que je veux dire? T'as jamais été voir de concert, rien? Ça change tout. C'est pour ça que quand je vois qu'il y a des histoires de copyright, machin, bidule, j'ai envie de dire, hey, vous faites des concerts, vous gagnez bien votre thune, et franchement, un concert, ça, tous les albums du monde. Si au doudou en fait. Quoi? Je sais pas ce que c'est que tu m'as dit. J'y fais lui dans l'audio. On s'en bat les couilles frère. Oh il faut descendre là. Oh, ça... Hi, quelle heure? Putain, je me lève à 6h demain. Bon les couilles frère. Ah ton gros mot, le gros mot. On a oublié le gros mot. Attendez, je viens de voir un mail passer. C'est peut-être un mail que j'attends. Navré. Non, pas du tout. Le gros mot, oui. Même moi, j'oublie. J'en appelle au grand livre des gros mots. Avec la lettre H, H, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Oh, pile poil dessus. Alors, où est mon stylo? Où il est mon stylo? La 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 la. Alors, on va lire le pavé de popo. Je te jure, j'ai un EP2 qui date, mais si j'avais pas vu en vrai en live, j'aurais jamais kiffé autant réellement. C'est justement ce genre de groupe que j'aime qui mérite de se faire voir, entendre et faire découvrir le métal, la musique. C'est grand, une façon de présenter. Sur scène, les infirmiers, la camisole et tout, c'est leur gimmick, hein, c'est leur personnage, tout ça. Tout ce qui fait jeu de scène qui est le plus important. Ouais, et je trouve, bah, quand on laisse ça, bon, t'as leur clip, certes, mais juste à écouter, du coup, leurs musiques sont marrantes. J'aime bien leurs paroles, c'est sympatoche. Mais quand on enlève tout ça, bah, c'est pas pareil. Je fais tellement, j'apprécie. Ouah, Popo, il a jamais autant écrit. Alors, nous avons. Le nom masculin Ardeur, H-A-R-D-E-U-R. Donc on est occupé de regarder dans le dictionnaire des gros mots
Et on dit un gros mot en H. Première définition. Il ne s'agit pas d'une version mal orthographiée du mot ardeur. Oui, parce que le mot ardeur ne prend pas de H. Non. Ardeur avec un H désigne un acteur qui étale ses prouesses sexuelles dans des films destinés à un public adulte. Donc un ardeur, ok, d'accord. Il est évident que ce mot comporte une contrepartie féminine ardeuse. Ah. Comme Jérémy Ferrara. Bah c'est, non, je confonds. Comment il s'appelle l'acteur porno qui fait du stream là? Jérémy Ferrari, c'est un acteur, c'est un comique. Ferrara. Bah c'est Ferrara plutôt. Bah c'est hard. Ce terme a été généralisé pour désigner des personnes qui aiment particulièrement avoir des rapports sexuels répétés. D'accord. Donc un hardeur, c'est quelqu'un qui veut tout le temps baiser. Voilà. Ouais, mais la musique s'attache à ce jeu de scène, lol, ce qui fait tout. Oui. Complètement d'accord. Je suis un peu hardeur, je connais Rocco Siffle. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, d'accord. Ah bah d'accord. Ah d'accord. Faut que je foute de la stase là-dessus. Pardon. Mais merde. On va attendre. Ah, en plus ça me nique de la vie. Vite Isaac, vite, on n'a pas le temps. Oh merde, oh merde, oh merde. Vite, à droite. Non. Non, à gauche. Des canapés, à droite, des canapés. Oh merde, ça arrive. Oh, j'ai pris de la santé au bon moment. Oh, c'était nul comme passage. J'étais déjà mesuré à lui. Joli jeu de mots. Le DTC, on l'utilise pas beaucoup. Non, mais j'ai voulu mettre le DTC d'origine, mais il est pas fou. Parce que le DTC d'origine vient du film Rambo. Rambo 2, je crois. Salut. Dis même pas bonjour. Elle a pas dit bonjour les gars. Avec Rocco le DTC on n'a pas le temps de l'utiliser. C'est... Oh, il fait mal le DTC de Rocco. Oh merde. Ellie. Oh Ellie elle a des nichons dégueulasses. Ah non c'est l'ombre qui fait ça. Bon tout le monde se calme, ok. De toute façon la pensée est déjà morte. Ah. Peggy 18. Mais non. C'est votre dernière chance. S'il arrête la machine, on meurt tous. Elle, nous, tout le monde. Vous devez faire ce qui est juste, Isaac. Qu'est-ce qu'il va faire, Isaac? Il y a toujours une issue. C'est là qu'on a un choix. Quoi? Mais non! Mais quel fils de carotte! Dis-moi pas qu'il vient de niquer mes 12 heures de jeu là, c'est à faire mal. Ça. Il faut pas vous droguer. Si vous vous droguez, c'est mal. Parce que la drogue, c'est mauvais, vous voyez. J'ai enfin réussi. C'est la fin des ténèbres. Tire dans le codex, je sais pas, fais un truc. Que l'évolution. Comment... C'est une coloscopie. Ah, carrément. Tu vomis la sodomie de Rocco tellement elle remonte. Oh, oh le con. Est-ce que c'était pas la mort la plus bête pour un méchant? Tu tires la langue, il y a son gland au fond de la gorge. C'est pas une glotte, c'est un gland. Oh, mais comment il est mort trop nul. Ellie, je vais en finir.
Tu dois partir. Partez tous les deux, retournez sur Terre, avertissez-les. Moi je reste, j'ai rien d'autre. Alors lui il nique tout, et maintenant il dit je vais y aller, je vais me sacrifier les gars, vous inquiétez pas. Vous ne pouvez pas, Carver. Pas sans mon aide. Anti-monolithe, c'est moi. Isaac. Ouais c'est ça. J'ai réussi. Je suis enfui parce dead. Que j'avais peur de ce qu'il fallait faire. Ouais c'était. Ils font une petite danse et tout. Il y a une navette. Je veux que tu la prennes et tu rentres. Eh, qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit que l'autre partie de la photo c'était Isaac? Peggy 18 il va plus, je peux pas le mettre. J'ai envie de sortir une bonne vanne. Tu sais que je ne rentrerai pas. Que j'ai que je fais encore taper. Vas-y, vas-y, sors une petite vanne. Alors attention, il faut pas qu'elle soit. Sur les blondes, sur les femmes, sur les noirs, sur les arabes, sur les chinois, sur les juifs, sur toutes les ethnies du monde. Attention hein, il faut que ce soit une blague caramba. Oh non, j'ai loupé un QTE. On va tirer dessus, c'est pas grave. Vas-y Isaac, pas le temps de niaiser, on y va. Je sais pas c'est par où qu'il faut aller. Par là. Oh les gars je suis stressé. Est-ce qu'on va réussir? Le sol il se met bien pour moi. Putain les héros je te jure. Tout se passe toujours trop bien pour eux. C'est ouf. Glisse. Allez roulade. On est des ouf. Appelez, roulade. Appelez-moi Isaac la roulade. Monsieur le frère a tiré la fronde. Pourquoi ils me mettent un truc de munitions là? Parce qu'il y a des bébêtes. C'est bon? Quoi j'ai plus de vie? Quoi j'ai plus rien pour me soigner? Merde. Mais si j'ai un truc pour me soigner, voilà. Mais bien sûr! Of course, banana! Ah, si j'arrive à les avoir tout de suite, ils prennent cher. Merde, j'ai pas eu. Casse-toi! Il y en a un qui me suit! Non, j'ai flippé pour rien. Casse-toi! Voilà. Suivant, il est où? J'ai peur. Merde. Le monde se détruit. Quoi? Ah merde, il y a encore une putain de. Trop de stress, je vais lire vos messages. T'inquiète pas, je suis pas sur mon stream et je vais mollo sur le. Ouais, ouais, après, moi je rigole de tout. Et vous savez bien. Carte panini, va. Quand tu commences à voir les vaches comme des vaches, c'est qu'il est temps d'ouvrir ton parachute. Voilà qu'elle était toute sympatoche. Tranquille, tranquille et vite. La blagounette. C'est une blagounette, comme tu lui as dit. Bon, y'a des bestioles derrière moi, on s'en fout, on avance. Oh putain! Ouais, faut aller par où?
Ouah, il y a un gros caillou. Oh, ils ont réussi à me toucher, les bitches. Bitches. Oh, ça va pas. Ouah. Faut arrêter ça. C'est pas ta réflexion, je pense à la base. Comme des vaches. Donc, oui. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par réflexion? Tu penses qu'il y a un autre sens? Mais viens ici, toi. Ah merde, c'est juste là. Allez, on avance. Mais non, mais non, mais non, mais non. Non, mais vous avez pas le droit de me les foutre au cac comme ça. Non, mais faut pas abuser un peu là. Tomber le pont. Putain, mes loot ils s'envolent aussi quand je les tue. Vas-y, on court. Il y a la tempête qui a un autre cul. Par là-bas. Pourquoi t'as pris Bagdad? Non mais ils abusent à faire ça. Tuez-moi tout de suite quoi, au lieu de me mettre des... Oh putain. La panique ici. Pas de panique à bord. Mais si grave quoi. Au final, quand tu sautes en chute libre et tu commences à voir que le point là-bas c'est une vache, c'est qu'il est temps. Ouais, après, est-ce qu'il n'y a pas un petit aspect philosophique, genre. Dans la vie en général? Merde, j'ai pas fini ma phrase. Ouais, c'est qu'il est temps d'ouvrir le parachute. Ça, j'avais bien compris. Est-ce qu'il n'y a pas un sens, ouais, un peu subliminal de... je sais pas comment dire. Là, on va voir si on peut mettre de l'armure encore. Quoi, la force, on est à donf. Mais il faut combien? Putain, je suis pas loin, hein. Non, on s'en fout. On a même plus besoin d'air. Lune sanglante. J'espère qu'on fait la fin du jeu ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, j'ai dit on aura plus besoin d'oxygène, il en faudra. Arrête pour me donner tort. Mais pour dire que si on fait le rapprochement avec nous et le fait que tu t'aperçois de comment sont les gens, il est temps de prendre les distances de sécurité. Ouais, ouais, c'est... C'est un peu à ça que je pensais aussi. Je fais un exemple concret. Pas. Pas super cool, je sais pas. Non, mais on peut l'interpréter comme ça. Ouais. J'ai envie de voir de l'Odyssée. Ouais, moi aussi, j'ai envie de repasser sur Assassin's Creed là, ça me manque. Oh, bah là, il y a la grosse bébête qui mange tout. Je vais prendre un caillou dans la gueule. Rien à comprendre. Quoi? YOLO! Ça, c'est stylé.
Ça c'est moins stylé par contre. Hop. Olé. Oh putain. Oh allez. Oh non, faut tout recommencer. Ah oh non. Ah oh non, c'est chiant, c'est pas sage quand c'est chiant. Allez, on reprend. C'est bon, petite mort, il fallait une petite mort ce soir. Voilà. Nos amis nous ont portés jusqu'au cimetière. Maintenant, on peut rejouer sérieusement. C'est bon, Iron. T'en as mis une. On a compris. Faut choisir, hein, parce qu'après, si tu les utilises tous, imagine, je remeurs là. Bah, tu les as déjà toutes utilisées. Donc, on se la joue comment là? Par là-bas? Ah, tu l'avais préparé. Envoie la confiance. Hein. Bah, merci. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas bouger. Genre. C'est les yeux du bazar ça? C'est le boss final? C'est dégueulasse. C'est absolument dégueulasse. Au fait, je garde mon fils. Je vais même pas regarder s'il s'est endormi. Oh, comment il dort. Oh, il fait flipper. Oh, je sais pas si j'arriverai à le vous faire voir à la cam. Regardez, il est tendu comme un string. Il est tendu comme un piqué dans son lit. Ouais, il dort bien. Ouais, ouais, il dort bien. Total what the fuck ce jeu. Ah ça part en cacahuète. J'ai cru une Game Boy. Bah c'est une petite caméra pour le survivre. Ouais. Même une armée n'y arriverait pas. Faudra bien qu'on réussisse. YOLO. On peut les utiliser comme projectiles grâce à ce support télékinésique. C'est pas ça apparemment. Il y a des monolithes pas loin que je peux utiliser, c'est ça? C'est quoi que je peux utiliser pour lui envoyer dans la gueule? Il va me tirer dessus, il va faire un truc avec son œil là. Ah, il peut le toucher. Faites gaffe, il est en train de nous envoyer des gros rochers. Ouais, je vois ça. Oh, je lui ai mis un monolithe dans l'œil. Oh, il a pas kiffé. C'est quoi ça? Il est où le monolithe? Ah non, j'ai perdu là. Ah merde. Les monolithes, ils sont où? Ah merde. Oh, ils sont tous disparus. Attends, je recharge. Ah, y'a un monolithe là. Ah, j'ai raté. Oh merde.
Là. Bim. Deuxième œil. Je passe la barre 2-3 fois avant d'aller pioter. Toujours comme moi. Le pied. Quoi? Oh non, voilà les téléporteurs de ouf là. Il y a les joueurs qui lag. Tellement de dégâts que je défonce. Oh, je l'ai eu de loin. Oh, je l'ai snipé l'œil. Oh, ce qu'elle a pris. J'ai un vieil insecte. Tu parles pas de mon fils quand même là. Alors il a mangé le... Qu'est-ce qui se passe? Faut que je l'extrais? Carver! Carver! Accrochez-vous! Il va falloir que je vous tire à travers ce... Wow. Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est vachement de... Il dégueule. Il dégueule tout ce qu'il peut. Ah, c'est quoi ça? Attends, on a fait remonter ses couilles, je crois. Bien sûr que si, vilain. Téléportation. Non, je spam le... Alors c'est ça, on se sert du codex. C'était quoi cette voix posée? Alors, comment ça va? C'est fini les conneries. C'est l'histoire d'une meuf... Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Pour s'en finir. Ah, il a un cocard, Isaac. Elle est où, Ellie? Bah, ça c'est fait. Alors, est-ce que Isaac va survivre à ça? Ah, Isaac il se sent libéré là. Tout prêt? C'est bon. Où ça? Oh, c'est triste. Non, Isaac. Après une saga 3 d'épisodes. Est-ce que Isaac... Non, Isaac va-t-il décéder? Ah, ça c'est le souvenir de la fin du 2. Ah non! En fait, c'est Ellie qui a réussi à se barrer. Elle a réussi à se barrer et elle a la photo de moi. Isaac! Isaac! T'es là? Carver! Ah, ça pue du cul, madame. Carrément, elle pourrait être présentable là quand on te filme. Pour une fin de scène en plus. Pour une fin de jeu, là, tu pourrais te laver. Hein. T'as raison, mon popo. Elle a les yeux verrons, c'est trop sexy ça. Chaque fois que je vois une fille aux yeux verrons, elle peut être moche, ça me plaît. Il n'aimait plus. On a réussi? Isaac. Tu as réussi. Fait. Je l'ai fait. Tu as réussi. Ah, mais je suis mort. Peut-être. Et là j'apparais sur le carreau de son vaisseau. Ellie, Ellie, je suis là. C'est comme ça dans Green Hell niveau copie. Ah, Green Hell, je l'ai pas fait, mais j'ai vu qu'il était un peu galère, non? Fétichiste des verrons. Ah, je sais pas, c'est un truc qui me plaît, ça. Les yeux verrons, c'est... Waouh. Elle se barre, elle cherche même pas à vérifier. Elle fait de l'hyperespace, là. No!
tout veut ta mort dans ce putain de Green Hell. Bah ça se veut réaliste un peu. Oh, wow, regardez la lune qui s'écrase. C'est honteux. On a foutu le bordel, elle est partie. Il est mort là mon Isaac? Eh hey. Pas mal ce petit riff. À propos, c'est la musique du jeu là. C'est pas toi qui a lancé une musique là, t'inquiète pas. Une feuille, une grenouille, les indigènes. Eh bah tu seras en plein jungle, ce serait comme ça. Ah j'ai compris pas. Je te le dis au cas où tu fais un contrôle. Un petit alt tab pour regarder si t'as pas un truc qui est tourné derrière. J'ai envie de lancer un coffin pour Isaac. Oh, t'as le droit de lancer un Wested. En l'hommage d'Isaac. Ah, oh, je pensais que t'aurais été synchro. Voilà. Alors ce qui est... On va couper la musique, je suis navré. En cas de Covid, j'allais dire, de copyright. Bon, quoi en penser? Cette fin m'a un peu... Elle m'a... Enfin, je peux pas parler de déception, mais... Je m'attendais à autre chose. Je m'attendais complètement à autre chose. J'avais préparé un coffin pour essayer... Ah, pardon. Pas suffisante, ouais peut-être. Peut-être pas suffisante. C'est quand même la fin d'une trilogie. Apparemment il n'y aura pas de suite. Et juste Isaac meurt quoi. À réussir à faire son truc. J'aime bien quand Isaac meurt. Ouais mais j'aurais vu une façon un peu plus épique. Ouais je sais pas. Pas. Après après en soi... Alors je dis ça, mais très souvent si je dis je n'ai marre que les héros meurent d'une façon épique, il faut toujours qu'ils meurent d'une façon dingue les héros, tu vois. Ils peuvent pas juste comme tout le monde prendre une balle dans la gueule des fois, de temps en temps, et juste fin. Ça ferait du bien. Non mais là c'est... Donc les deux meurent à la fin. Enfin je sais pas, il y aurait tellement... Genre un explosif sur le truc, ou... Il y aurait tellement de possibilités qu'ils s'en sortent, mais ils se sont pas fait chier. Le gars il peut construire des armes de ouf, genre il peut pas construire une bombe. Enfin je sais pas, j'ai trouvé ça con leur façon de devoir régler le problème et se sacrifier quoi. Dans la série Viking, hein, on en parle ou pas? Dans la série Viking? Ah il meurt de façon plutôt simple hein. Rien que la fille de Ragnar au début qui meurt d'une peste. Ça arrive. Hein. Ellie la seule survivante. Ouais. Alors que elle est dans une pièce. Alors. Vous avez entendu comment elle a survécu? Est-ce que vous avez entendu? Alors Popo, toi t'étais pas là au dernier live, mais en fait. Ellie, elle était enfermée dans une pièce remplie de gaz qui s'était enflammée. Donc nous, dès qu'on rentrait dans la pièce, on mourait, on cramait instantanément. Et donc on ferme la porte pour pas se faire cramer et Ellie elle est au plein milieu de la pièce et voilà on pense qu'elle meurt. Et là elle a dit... Non Popo j'ai pas fini, mais ça se passe dans les premiers épisodes, en avril. Et c'est... Je savais pour la fille de Ragnar. Ah c'est pour ça que j'ai parlé que de ça parce que c'est le début. C'est dans les premiers épisodes que tu sais ça, donc c'est pour ça que j'ai pris un exemple des premiers épisodes, j'ai pas parlé de la fin. Mais c'est vrai que... Non, mais je pense que dans Viking, c'est un des points que j'aime bien, c'est que tout le monde peut mourir bêtement. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Tout le monde peut, je sais pas, se faire bouffer par un serpent, tout le monde peut se prendre un chwap et des flèches dans la gueule, tout le monde peut crever d'une manière très simple. Il n'y a pas de raison. Et dans Viking, c'est pas mal. C'est pas mal.
Ouais, il meurt toujours d'une façon assez spécifique, mais pas spécialement épique, quoi. Serpent en Norvège. Ouais, façon de parler. Je veux dire d'une mort lambda, quoi. Tomber dans un piège. Genre, il y en a, ils ont creusé un trou, ils ont nappé le truc, tu tombes dedans. Un truc comme ça, tu vois, des pièges à la con. Un empoisonnement à la Game of Thrones. Sans spoil non plus, on sait jamais. Bon, on va sauvegarder et quitter. Parce que c'est la fin, on aura une demi-heure de... Nouvelle partie plus débloquée dans le menu. Tenue légendaire de Dead Space disponible à l'essayage. Kit de circuit vitesse 3 disponible à l'établi. C'est bien. On s'en bat les couilles. Et j'ai 8. On va se faire un coup de jus d'importe, bon. Bah pourquoi pas. Choper une maladie et en mourir. Choper un virus, un coronavirus. Pourquoi pas. Écoute. Ça se développait aussi à l'époque de là-bas. Hein. La peste c'est un coronavirus de ouf. Enfin, c'est un virus. C'est peut-être pas un coronavirus, mais c'est un virus de ouf. Et il y en a qui meurent de maladie. Comme la fille à Ragnar. Ça arrive. Ok, bon les petits amis, j'avais dit de m'arrêter à 23h. Il est 25, je dois encore aller prendre ma douche. Je dois préparer mes affaires. Je dois aller dormir. Et à madame qui rentre en dedans en plus. Moi j'ai une peste à côté de moi. C'est ta sœur, c'est ça. Va te laver. Triste que je m'en vais. Ça, il faut que je garde. Dead Can Dance. Hop. En ce moment, j'aime bien toutes les musiques vikings. J'adore ça. Pour travailler, mettre de la petite musique viking ou du post-rock. C'est vraiment sympa. C'est ça, là, pour vous poser, ça vous pose. Putain, j'ai fait nappe avec mon ongle et je saigne. Voilà, je vais mourir. Là, ça n'a rien à voir, mais elle est tellement sympa, celle-là. Je vais écouter après. J'aime les musiques sans son. Comme Véronique. Bon bref, je vais pas me retarder plus longtemps les amis, même si ça me plaît vachement de vous parler. Ce sera l'occasion de se revoir une autre fois de toute façon. Tac, tac, tac. Hop, c'est enregistré. Hop, j'ai un petit bloc-notes avec toutes les musiques auxquelles je dois m'intéresser. A plus dans le bus, je vous fais des gros bisous les amis, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch si ce n'est déjà fait, comme ça vous recevrez une petite alerte quand je live, ou je serai dans votre fil d'actualité des personnes occupées de live, et comme ça vous pourrez venir faire un petit coup. On te fait un gros bisou du coup aujourd'hui sur la fesse droite, la gauche est jalouse, voilà, et si tu fais un bisou au milieu, t'auras une moustache. Et voilà, comme le dit Iron Maye, je vous souhaite une bonne soirée, restez connectés, et surtout... Surtout, surtout, très important, amusez-vous dans ce monde de merde. Très important. Allez, ciao. Pouh.